le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'importe rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh, yo, yo. Les hommes s'entretuent. Plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Pour pas la guerre des biens. Oh yo yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part. Comment tu vas, Singe? Comme un charme. Est-ce que ça ne se voit pas? C'est ce que je vois. C'est Singe. Et toi alors, le Pacha? Ah, je suis là. La galère me gère. Le Pacha, écoute. La galère me gère, la galère me gère. Regarde-toi un peu. Est-ce que la galère peut gérer un mec comme toi? Oh, arrête souvent avec ça. Ah, c'est toi qui le dis. Et comment tu as fait avec la petite là? La petite de la dernière fois? L'épicière. Justement l'épicière. Elle n'est pas seulement comme tu la vois là. Allez. C'est une fille pleine moralement, spirituellement et psychologiquement. Waouh! Salope. Allez, j'ai essayé de la persuader avec nos petits baratins là. Elle n'a pas mordu. Ah, le Pacha. Tu as trouvé un pantalon à ta taille, mon frère. Et qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Abandonner comme ça? Mais tu es un mec, toi. Je ne sais pas. Je t'avoue vraiment que je ne sais pas. Elle m'a brisé le moral. Non, le pauvre petit. T'assure que si toutes les filles étaient comme elle, ça amènerait les gars beaucoup réfléchir avant de les aborder. Surtout des mecs comme toi. Oh. Elle n'est donc pas comme l'avant-dernière. Comment on l'appelle encore? Annie. Annie, tu dis. T'as une fille, ça? Une fille qui est prête à céder son corps pour un plat de nourriture et une bouteille de jus. C'est ça que tu appelles fille? Ou alors, tu lui promets le mariage? Ah. Mais avec Saba, ne tente pas, elle n'est pas comme ça. Elle est objective. Je pense d'ailleurs que c'est ce qui me plaît en elle. Le Pacha, je sens que bientôt on va organiser ton mariage. Ça ne tardera pas, sois-en sûr. Je l'aurai. Viens bien voir ça. Je l'aurai. Qu'est-ce que tu as dans ce paquet, le Pacha? C'est un truc pour moi? Non. Justement, je me rends chez elle. Je suis bon pied la route, mon frère.
Bien, mes amis, celui qui ne comprend pas quelque chose ou une idée, me pose la question. Ouais. Non, 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 restez assise, madame. Monsieur, vous avez dit tantôt que l'être humain, pour évoluer, a besoin de développer ses trois composants qui sont le corps, l'âme et l'esprit. Oui, vous avez suivi sa question. Ça prouve qu'elle écoute et elle assimile les enseignements. Mes amis, je vous le rappelle encore une fois de plus que nul n'est censé ignorer les lois votées par le législatif, encore moins les lois de la nature. Ah ben oui, ça je vous le rappelle. L'ignorant payera toujours les pots cassés, pendant que l'évolué choisira son chemin normalement. Il ne sera pas opprimé. Ça, gardez-le et naturellement. Ma sœur, cette question sera débattue à la séance prochaine. Hein? Ce jour-là, je vous le conseille, mangez moins et saillez-la à temps. Hein? Une autre question? Maître Nanga, pourquoi malgré la multiplicité des écoles de la planète Terre, la sauvagerie persiste? Sauvagerie, c'est-à-dire tuerie, guerre, terrorisme, n'est-ce pas? Si, si. Ouf, encore une fois, le manque de connaissance des lois de l'univers. L'éducation reçue dans des écoles ordinaires est bien, mais très inadaptée à l'évolution de l'homme d'aujourd'hui. Bon, à développer plus tard, hein? D'accord? D'accord, maître. Simone, tu devrais d'abord le mettre sur la question de la polygamie. Oui, mais ça n'entre pas dans le contexte du cours d'aujourd'hui. Raison de plus de l'aborder en privé. Tu as raison, mais je ne peux pas aller toute seule. Je te tiens compagnie. Ah, merci. Allons. Comment tu vas, frère de tout? Je vais bien. Comment tu m'appelles frère? Mais nous sommes des frères, bien sûr. Ne sommes-nous pas issus de la même énergie qu'est la puissance divine? Si. Tu vois donc qu'il n'y a pas de mal en t'appelant frère. Même un homme et son épouse sont des frères. Alors, que puis-je pour toi? Là, tu n'as pas tort. Bien. Et ce paquet, il est pour toi. Ne fais pas cette tête, c'est juste un paquet. Prends-le. Je ne peux d'emblée recevoir un paquet d'un homme qui me fait la cour. Ceci pour la simple raison que je ne voudrais pas briser mon principe de vie, qui consiste pour moi délibérément à faire des choses. Or, le paquet imprimé m'obligera, par respect, à avoir de la gratitude à t'écouter, même s'il ne le fallait pas. Mais qu'est-ce que tu me chantes là? Tu trouves pas que tu exagères un tout petit peu? Tu te comportes comme une fille d'un autre siècle. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est une affaire de principe que je me suis assignée de respecter. C'est une loi. Et tu sais très bien que les lois sont immuables depuis la nuit des temps. Mais s'il te plaît, quand même pour cette fois, ne le refuse pas, je t'en prie. Ne me fais pas honte. Je ne peux non plus briser mon principe de vie. Parce que je ne voudrais pas que tu aies honte. Alors je te propose quelque chose. Laquelle? Regroupe tes camarades et moi les miens pour un pique-nique. Si ça te fait plaisir, je le ferai. Je respecte ton choix. Thank you.
Maître. Oui, une préoccupation. Oui, maître. En effet, je voudrais savoir pourquoi les foyers polygamiques ont toujours des querelles. Y a-t-il une loi à respecter ou des connaissances à valoriser pour stabiliser la paix dans un foyer polygamique? J'avoue que ta question a trop de sous-entendus. Tu es enseignante, ou alors je veux dire institutrice. Oui, maître. Rien n'est stable dans la vie. Rien n'est appelé à être stable. Tout évolue, y compris la vie vers une destination divine. Tu vois, ce n'est pas la polygamie qui génère des querelles, mais ce sont des protagonistes. Enfin, tu vas voir, une rencontre ultérieure nous permettra de disséquer mieux dans la chose, d'accord? Bon, je crois que pour aujourd'hui, c'est bon. Je viens de vivre un film d'horreur avec Saba. Qu'est-ce qui s'est passé? La petite m'a intimidée avec son raisonnement. Et tu appelles ça horreur? J'ai failli uriner sur moi. Mais il fallait le faire. Je te rends compte. Une fille de la classe de première me dissertait la vie comme une métaphysicienne. Moi, le Pacha. Tu avais tes histoires de niveau d'études là. Et en conclusion? Elle a repoussé le paquet. Il a proposé un pique-nique. Mais c'est bien. Oui, c'est une occasion en or pour toi. Surtout si tu joues très bien ta carte, mon pote. Attends, mets le prime de bord. Il faut retenir que Saba n'est pas une fille à flatter. Même avec mon master, je suis incapable de la manipuler. Écoute, rien n'est impossible, papa. Rien n'est impossible pour un mec comme toi. Si tu mets le paquet, tout ira mieux. Hein? Ça, c'est du jamais vu. Moi, le Pacha. Mais je suis sûr qu'il y a une main forte derrière cette fille. Zéro main forte. Je t'assure, c'est pas du hasard. Tu as intérêt à agir très vite, mon frère. Je trouverai bien. Chérie, j'ai comme l'impression que tu veilles à travailler tard. Ouais, ma petite princesse, tu sais, la société tient son conseil d'administration dans une semaine. Je dois préparer le bilan. Tu sais que Monsieur Fosso ne ricane pas là-dessus. Ah oui, Monsieur Fosso, c'est un grand homme, lui. C'est une denrée rare. Chérie, tu sais, dans quelques jours, je vais prendre mes congés. J'aimerais aller les passer à Banca dans mon village. Oui, mais tu ne m'as pas prévenu avant. Non, je te l'ai fait savoir il y a un mois. Avant que Monsieur Tsafak n'aille au village. Il est passé te voir ici avant, je l'espère. Oui. Avant qu'il n'arrive, nous parlions de quoi? Ah, maintenant ça me rafraîchit la mémoire. Bon, d'accord, je t'accorde donc tes 2 semaines de congé. Mais juste 2 semaines, hein, pas plus. Avec les congrès, les réunions, les travaux champêtres. Chérie, 2 semaines, c'est peu. D'accord. J'ai compris. Je te fais donc 2 semaines supplémentaires encore. Ok? Allez, bonne nuit. Bonne nuit, chérie. Je te laisse travailler. D'accord. Thank you.
couper. Gestuelle parfaite, mimique parfaite, parole parfaite, présence sur scène parfaite. Dis-moi, Dja, as-tu déjà été interprète dans un film? J'ai seulement fait le théâtre public. Je n'ai jamais été dans un film. Tu es passé par la voie normale, le théâtre. Le véritable jeu d'acteur s'acquiert sur le podium de théâtre. Je parle du théâtre à l'instar de les mêmes salles de Jean-Paul Sartre, la Croix du Sud de Joseph Ngoué, ou encore le Char de Dieu de Patrine Dedi Pinda. Merci. On se reverra demain. Bienvenue, belle-mère. Merci beaucoup, mon fils. Bébé, tu as besoin des accolades aussi? Bien sûr, mon amour, je m'en lasserai jamais. C'est bien, mes enfants, de vous aimer ainsi. Maman Kima, toujours rayonnant dans l'africaine. Merci, mon fils. L'Afrique a une très grande richesse vestimentaire. Elle a raison, mais surtout chez vous, les Banso. Pandi Foma chargé de vous transmettre ses salutations. Merci, maman. Oh, mon beau-père chéri, comment il va, maman? Très bien. Oh, mon beau-père qui a fabriqué ma cunégonde. Oh. Je vois que vous brûlez d'amour ici chez vous. Bien sûr, maman. C'est la seule lueur qui nous illumine, Tafak et moi. Ma belle-mère chérie, je vais te laisser m'adulciner pour un petit instant parce que je vais voir quelqu'un. Il s'agit de qui, s'il te plaît? Je vais voir mon ami Sally. On a rendez-vous au salon d'été. Ah, d'accord. Que Dieu te soutienne dans ton foyer. Merci beaucoup, ma belle-mère. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Ok, chérie, je te laisse. Ok, bébé. Je comprends que les conseils qu'on te donne, tu les prends pour des bluffs. William. Papa. Après 53 ans d'indépendance, un enfant de terminale arrive à avoir 1 sur 20 en ECM. Ça ne vaut pas la peine. Papa, ce jour, j'étais fiévreux. Et comment vas-tu te défendre avec 0,75 sur 20 en sciences mathématiques? Papa, les mathématiques ne font pas passer des matières du premier groupe. Tu ne sais que te défendre. Voyons donc ce que tu veux en littérature. 1,25 sur 20. Encore une défense, monsieur? Rien à dire. Eh bien, Junior. Papa. Quant à toi, il faut qu'on aille voir un psychiatre. Tu as été incapable d'avoir une note supérieure à 0,25. Et tu es en première C. Papa, c'est le répétiteur là. Il est incompétent et en plus, il vient toujours aux heures tardives. Je ne sais pas en quoi tu juges ce répétiteur d'incompétent. Il passe des heures et des heures ici à vous attendre. Toujours dans les balades. J'en parlerai avec votre maman et on trouvera une solution. Papa, mon ami nous invite à l'anniversaire de son petit frère ce week-end. C'est tout ce que vous savez faire. Vos cahiers, c'est des somnifères pour vous. Mon ami Tafak. Oui, Sally. Je suis très content car les moments comme ceux-ci sont très rares. Vraiment rare. Nous sommes tout le temps absorbés par nos obligations professionnelles, conjugales et autres. Je me demande comment ceux qui dorment à longueur de journée font pour remplir les bars tous les soirs. À chacun son niveau de conscience. Il y a ceux qui veulent évoluer,
Il y a ceux qui évoluent. Oui. Hein? Il y a ceux qui se demandent ce qui évolue. Hein? À chacun de s'inscrire dans une catégorie de personnes. C'est pertinent ce que tu dis, la Sally. J'ai eu l'impression de me retrouver encore sur le banc. Mon frère, je sais que la mauvaise langue passe le temps à taxer l'homme du Nord d'idiot, d'illettré, d'ignorant. Mais n'oublions pas que ne pas parler français ou anglais n'est pas signe d'ignorance. Tu as raison. Est-ce que la connaissance est fonction du niveau de langue? Non. Inventer un moteur a-t-il quoi à voir avec la langue? Même pas. Juste l'exploitation des lois de la nature. Très bien. Ce n'est pas normal de disqualifier les gens à la périphérie parce qu'ils ne parlent ni le français, ni l'anglais, ni l'allemand, etc. De toutes les langues, laquelle est parlée par le fer, le vent, le bronze, les roches, l'eau, etc. Sally, notre niveau de conscience détermine notre niveau de vie. Et c'est tout. Pour le matériel que pour son prochain, alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Pour la guerre des biens, oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant, quand on part, on n'apporte rien. Vanité. Vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh, yo, yo, oh, oh, oh. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant, quand on part, on n'importe rien. Vanité de vanité. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh, yo, yo, oh, oh, oh. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, vanité.